إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد مشيخ غيسور أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته En réalité, le cours d'aujourd'hui, dans le tafsir, constitue, inshallah, le dernier cours pour cet été, inshallah, ta'ala. Et j'ai tenu à ce que ce cours constitue un résumé, un abrégé, mulakhas, d'un cours précédent, touchant au vin, al-khamr, à partir du verset, le verset qui est descendu pour interdire définitivement, donc, le vin, et qui est la parole de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu, innama al-khamr wal-maysir wal-ansab wal-azlam rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu ash-shaytan an yuqa'a baynakum al-adawah wal-baghda' في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل أنتم منتهون donc dans surat al-Ma'ida verset 91 et nous avions traité de certains aspects jurisprudentiels donc liés au droit islamique al-fiqh et bien sûr sur demande de plusieurs de mes frères ici présents qui ont vu que ce cours là où nous avons traité de certains points juridiques jurisprudentiels donc fiqh il y avait certaines complications ou plutôt le cours était un peu lourd et un peu compliqué car nous avons relaté certaines règles liées au droit islamique, ce qu'on appelle qawa'id usuliyya, donc les règles de méthodologie du droit islamique, usul al-fiqh. Et bien sûr, ceci m'a poussé bien sûr à résumer le cours et à vous donner un résumé, un condensé ou un abrégé, si l'expression bien sûr le permet. Alors, mes chers frères, parmi les points que nous avons traités dans ce sujet, et bien sûr, je vous rappelle à titre de rappel, bien entendu, que le vin, al-khamr, a connu trois phases. Donc les Arabes, avant l'islam, étaient de grands buveurs. Au point que Aïcha, radiallahu anha, relate justement, elle dit que si maintenant les versets concernant l'interdiction du vin étaient descendus d'une seule fois, donc d'un seul coup, les Arabes auraient fui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont habitués à boire. Ou ils étaient plutôt habitués à boire. Et c'est pour cela que les versets vont descendre progressivement. Et cette descente progressive des versets coïncide et corrobore avec cette éducation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne aux compagnons. Vous dites, petit à petit, ils vont être rodés. Ils vont être rodés à délaisser cette mauvaise habitude, qui est justement le fait de boire, donc l'alcool. Alors nous avons bien sûr cité les versets, tels que lorsqu'ils l'ont interrogé au niveau des bienfaits ou des méfaits, donc du vin. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يسألونك عن الخمر والميسر ils t'interrogent, les compagnons t'interrogent au niveau du vin et du jeu du hasard. قل فيهما إثم كبير dis-leur qu'il y a un très grand péché dedans. ومنافع للناس et qu'il y a aussi des bienfaits. وإثمهما أكبر من نفعهما et leur méfait et le péché qui en découle, qui en déduit de ces choses, donc du vin al-khamr ainsi que du jeu du hasard al-maysir est bien plus grand que les bienfaits. Alors bien sûr, quel bienfait y a-t-il dans le vin, al-khamr? Les savants, ahlul ilm, ont dit qu'ils ont cité deux petites raisons. La première chose, ils ont dit, c'est ce moment de, entre guillemets, de plaisir, lorsque la personne boit et qu'il dissipe, entre guillemets, ses problèmes et qu'il a un extase, voyez-vous. Donc elle a un extase, elle sent un bienfait, elle se sent à l'aise. Et aussi l'un des bienfaits, entre guillemets, c'est bien sûr le commerce, parce que ça rapportait beaucoup d'argent à l'époque de la Jahiliya. Le vin rapportait beaucoup d'argent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset rappelle que les méfaits et les péchés qu'il y a dans le vin et dans les jeux du hasard sont bien plus grands
que les bienfaits. Ensuite, le verset suivant, c'est suite à un événement. En effet, comme le relate le compagnon Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu arda, il relate qu'ils ont été invités, lui et d'autres compagnons, ont été invités par Abdurrahman ibn Aouf. Le compagnon Abdurrahman ibn Aouf, radiallahu anhu arda. Il les a invités à un repas. Et à l'époque, bien sûr, à ce moment-là, le vin n'était pas interdit. Et c'est là que Abdurrahman ibn Aouf a versé donc des verres de vin aux compagnons, au point que certains d'entre eux, comme le dit justement Ali ibn Abi Talib, il dit « فَأَخَذَا مِنَّ الْخَمْرُ فَأَخَذَا مِنَّ الْخَمْرُ مَأْخَذَا » Donc le vin nous a un peu dominé, nous a un peu envoûtis. Ils ont commencé à être ivres. Et le moment de la prière est venu. Donc que s'est-il passé? Le moment de la prière est venu, c'était la prière du Maghrib, et ils ont dit à Ali ibn Abi Talib de diriger la prière. Ali ibn Abi Talib, comme d'autres compagnons, étaient ivres. Ils étaient ivres. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc la sourate Al-Kafiroun, il va commencer le premier verset, « Qul ya ayyuhal Al-Kafiroun, la a'budu ma ta'budun » Zed hmm? Non. Il va se tromper dans le verset. Voilà. « Qul ya ayyuhal Al-Kafiroun, la a'budu ma ta'budun, wa nahnu na'budu ma ta'budun » Voyez-vous? Donc « Qul ya ayyuhal Al-Kafiroun, la a'budu ma ta'budun » Je n'adore pas ce que vous adorez, et nous adorons ce que vous adorez. Et c'est là que le verset est descendu dans la sourate Al-Nisa, la sourate des femmes. Le verset est descendu pour interdire aux croyants de s'approcher de la prière en étant en état d'ivresse. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les croyants par leur nom le plus noble qu'est l'iman en disant Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, la taqrabu as-salata wa antum sukara. Ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres. Hatta ta'lamu ma taqulun. Jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. On voit ici que la permission de boire commence à se rétrécir. Donc au début, donc ils buvaient sans problème. Certains, le premier verset que nous avons cité, où Allah subhanahu wa ta'ala parle des bienfaits et des méfaits, suite à cela, certains compagnons, par question d'intégrité religieuse et morale, ont laissé tomber. Ils disent, tiens, si Allah nous dit qu'il y a plus de péchés, de méfaits que de bienfaits dans le vin, on laisse tomber, on arrête. Mais d'autres ont continué à boire, parce que ce n'était pas une interdiction formelle. Avec ce verset, et cet événement qui s'est produit, parce que le verset est descendu dans sourate An-Nisa, dans sourate les femmes, où Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants de ne pas s'approcher de la prière en étant ivre, eh bien on voit ici que petit à petit l'étau se resserre au niveau de la consommation de l'alcool. Donc il y a 5 prières, donc ça veut dire qu'ils doivent s'arrêter, ou ils doivent éviter de boire avant la prière, pour être bien sûr en toute conscience. Et ainsi progressivement, jusqu'à ce que le dernier verset descende, qui est le verset que qui a été le thème, plutôt la base de notre thème, dans le surat Maïda, verset 90-91, donc la table servie, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlam rijsun min amali shaytani fashtanibuh la'allakum tuflihun innama yuridu shaytani an yuqa'a baynakum al-adawati wal-baghda'u fil-khamru wal-maysir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an as-salati hal antum muntahun » Donc, au bout des croyants, « innama al-khamru wal-maysir » Donc, le vin, les jeux du hasard, Al-Ansab, ce sont ce genre de stèles auprès desquelles les Arabes sacrifient des bêtes. Ou Al-Azlam, c'est pluriel de Zalam, ce sont des flèches, un sort de sort en quelque sorte, des flèches que les Arabes utilisaient. On a parlé de cela dans le cours ou dans la conférence sur la prière de la consultation, ça c'est Sikhara, où donc ils avaient 3 flèches. Sur la première flèche, ils marquaient, donc si l'un d'entre eux veut voyager par exemple, c'est des superstitions, Khurafat. La première flèche est marquée dessus, donc if'al, agis. L'autre flèche est marquée dessus, la tata'al, n'agis pas. Et la troisième flèche, il la laisse vide. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il tournait les flèches, il les jetait par terre. Et voir quelle est la flèche qui va se distinguer des deux autres. Alors s'il y a une flèche qui se distingue, qui est celle du fait d'agir, il va voyager. Et s'il y en a une qui se distingue et qui est celle de la non-action, il sera comme tel. Et si c'est la flèche où il n'y a rien marqué dessus, qui se distingue, il va recommencer donc de zéro. Alors ce genre de superstition, Allah bien sûr l'a interdit sur base de ce verset et d'autres versets. Donc innama al-khamr wal-maysir wal-ansab wal-azlam rijsun min amali shaytan. Ce sont des choses répugnantes et qui sont des actions de Satan. Fajtanibou la'allakum tuflihun. Fajtanibou, écartez-vous-en. Peut-être et certainement vous ferez partie de ceux qui réussissent. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, le verset suivant rappelle que le rôle de Shaitan, de Satan,
c'est de créer la discorde, la division entre les gens à partir du vin et à partir du jeu du hasard. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. Satan veut semer parmi vous العداوة. العداوة l'adversité. البغضاء la haine. في الخمر والميسر. Dans le vin et dans le jeu du hasard. Et c'est pas fini. ويصدكم عن ذكر الله. Il va vous écarter du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala وعن الصلاة. Et de la prière. فهل أنتم منتهون؟ Allez-vous arrêter? Ceci est une menace bien sûr. Aux musulmans, allez-vous arrêter min bab al-wa'id waz-zajr wat-tahdid, allez-vous arrêter? Et c'est ainsi que ce verset marque bien entendu l'interdiction définitive. Ça c'était bien sûr un petit rappel concernant l'introduction que nous avions entrepris concernant donc al-khamr. Très bien. Alors les points jurisprudentiels du droit islamique ahkam fiqhiyya qui touchaient justement donc le vin. Le premier point que nous avons traité, ça concerne le vin lui-même, est-il pur ou impur? Est-il pur ou impur? Alors bien sûr, il y a deux avis chez les savants, les gens de science. Le premier avis qui est celui de l'ensemble, la majorité des savants, les quatre écoles et autres, ainsi que l'avis de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, et parmi les contemporains, Cheikh Mohamed Amin al-Shankiti, rahimahullah, dans son livre Adwa al-Bayan, ces savants-là disent que donc le vin est impur. Ils disent qu'il est impur. Alors parmi les arguments sur lesquels se sont appuyés, nous allons nous arrêter à deux arguments. Le premier argument, c'est le verset qu'on a cité. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ce verset? Lorsqu'Allah interpelle les croyants en leur disant, sachez, chers croyants, que الخمر, le vin, الميسر, donc le jeu du hasard, الأنصاب, donc c'est stèle pour lesquelles on sacrifie des bêtes, al-azlam, ces flèches de superstition, ritsum min amali shaitan, sont des choses répugnantes à rejeter, ce sont des pratiques sataniques. Fajtanibou la'allakum tuflihoun. Écartez-vous-en, certainement vous ferez partie de ceux qui réussissent, donc dans ce bas monde et dans l'au-delà. Alors, ce premier argument de ceux qui disent que le vin est impur, ce verset, ils ont tiré de ce verset deux indications, dit la latin. Deux indications. La première indication, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, utilise le mot ritz, qui veut dire répugnant. Ils disent que le mot ritz, répugnant, c'est toute chose que les consciences saines et les âmes saines rejettent. Et donc, si c'est rejeté, c'est interdit. Donc, ils ont dit qu'à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot ritz, qui veut dire donc qadir, donc répugnant, mauvais, donc logiquement, c'est que c'est pas bon. Donc, c'est interdit. Très bien. Ça, c'est la première indication. La deuxième indication sur laquelle ils se sont appuyés, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de ce verset, il dit, faites-vous, écartez-vous-en. Et le mot écartez-vous-en est beaucoup plus fort que le mot je vous l'interdis. Car le mot écartez-vous-en, comme l'a dit l'imam al-Qurtubi dans son tafsir, il a dit que le mot écartez-vous-en veut dire qu'il faut s'en écarter définitivement, totalement, sur tous les plans. Ne pas l'approcher, ni l'acheter, ni le toucher, ni le travailler, ni le déplacer, ni le donner, ni le recevoir, ni l'offrir, ni l'acheter, ni le vendre, ni quoi que ce soit. S'en écarter totalement. Donc le mot fajtanibou, écartez-vous-en, est beaucoup plus fort que le mot donc hurrima alaykum, il vous est interdit. Donc ceci également une preuve quant au caractère impur de cette chose. Également parmi les arguments qu'ils ont, un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala décrit le vin dans l'au-delà, c'est l'akhira. Tel que le verset dans Surat al-Insan, donc la Surat l'homme, verset 21, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا. Et Allah, via les serviteurs qui seront dans l'au-delà, ils vont servir, ces serviteurs, au nom de leur Seigneur, vont servir aux croyants, donc ces boissons pures. Et c'est le vin même. Donc à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du vin pur dans l'au-delà, c'est que le vin de ce bas-monde n'est pas pur. Voyez-vous? Très bien. Également parmi, toujours à la suite de ça, ici, concernant les descriptions du vin dans l'au-delà, également dans la sourate Safat, donc les rangées, verset 47, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. Ça veut dire que ce vin qu'ils boivent, il ne les rend pas ivres. Voyez-vous? Ce vin qu'ils boivent, que ces gens boivent dans l'au-delà, ne les rend pas ivres. Voyez-vous? Et ils n'en sont pas dépendants. Pas du tout.
Alors on voit ici la différence avec le vin dans ce bas monde. Dans ce bas monde, il rend ivre ou bien il ne rend pas ivre? Qu'est-ce que vous en pensez? Il rend ivre, c'est logique. Donc c'est savant à partir de ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala décrit le vin dans l'au-delà comme étant pur, un vin pur, comme étant un vin qui ne rend pas ivre. Alors il dit, si maintenant il est comme tel dans l'au-delà, cela veut dire que le vin dans ce bas monde qui nous est interdit, il n'a pas les mêmes caractéristiques. Donc ça veut dire qu'il est interdit et qu'il est impur. Ça c'est donc les arguments du premier avis, donc Jumhur al-Ilm, donc l'ensemble des savants, des quatre écoles et autres, qui bien sûr précisent que le vin est impur. On a dit qu'il y a un deuxième avis. Le deuxième avis, ce sont ceux qui disent que le vin est pur. Al-Khamr Tahir. Et c'est l'avis bien sûr de plusieurs savants, parmi eux, un savant dénommé Rabi'atul Ra'i, qui est le professeur et le maître de science de l'imam Malik, rahimahullah. C'est également l'avis de Daoud al-Zahiri, qui est un savant de Bagdad, d'Irak. C'est aussi l'avis d'un savant égyptien, parmi les anciens salaf al-salih, les premières générations de l'islam, Al-Layth ibn Sa'd. Et également, bien sûr, l'imam al-Shawkani aussi, ainsi que l'imam al-Muzani, qui est l'un des élèves de l'imam Shafi'i. Et parmi les contemporains, ou presque contemporains, Mohamed Rachid Rida, et plus contemporain, le cheikh Mohamed Nasser bin Albani, rahimahullah, qui bien sûr également penche pour le fait que donc, le vin est pur. Très bien. Alors sur quoi se sont-ils appuyés pour dire cela? Pour dire comme quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt comme quoi le vin est pur. Premièrement, ils se basent sur certains athars, donc certaines citations remontant aux compagnons, où il est indiqué que lorsque le verset parlant ou stipulant l'interdiction définitive du vin, les compagnons directement ont déversé les tonneaux de vin, alaykoum salam, ont déversé les tonneaux de vin qu'ils avaient dans les rues de Médine. Voyez-vous? Alors ici, ils disent que à partir du moment où ces compagnons ont déversé ces tonneaux de vin dans les rues de Médine, c'est une preuve que le vin est pur. Je ne l'aurais pas fait. Ou sinon, ils n'auraient pas déversé le vin dans les rues. S'il était impur, ça va déranger les gens. Et on sait très bien que l'islam veille à l'hygiène, donc à l'hygiène, donc la propreté, l'hygiène publique, au point que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, met en garde les personnes qui vont faire leurs besoins dans les routes, sur les rues, dans les quartiers, dans les places publiques. Voyez-vous? Donc il est interdit d'aller faire ses grands et petits besoins, donc dans les rues, dans les endroits publics où les gens passent. Le prophète a interdit, bien sûr, dans ce hadith rapporté par le Bukhari Muslim, de faire cela. Alors, bien sûr, ils disent, à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit cela, parce que c'est une question d'hygiène, de propreté, parce que c'est impur, alors que le vin a été déversé dans les rues de Médine. Alors ces savants disent, si le prophète l'a autorisé, c'est que le vin est pur. Bien sûr, je ne vous cache pas que cette argumentation est discutable. Discutable pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il n'y avait pas énormément de vin. Voyez-vous, il n'y avait pas énormément de vin à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi les rues et avenues de Médine étaient des rues et avenues très larges. Voyez-vous? Donc ça va pas posséder et prendre toute la sphère et toute la superficie des avenues et rues, d'une part. Deuxièmement, il est connu chez les gens de science, Ahlul Ilm, que le soleil, c'est connu en Arabie, il fait très chaud, que le soleil, cette matière, le vin, s'il est impur, ben le soleil va le faire fondre, ou plutôt va le dissoudre. Voyez-vous? À partir du moment où il le dissout et qu'il s'évapore, mais c'est fini, il disparaît. Donc cet argument comme quoi le prophète a permis de le verser, c'est pas une preuve qu'il est pur. C'est parce que certainement les compagnons savent que ce vin déjà il est en très peu quantité, en très peu de quantité. Deuxièmement, il va très vite disparaître par l'effet du soleil vu qu'il fait très chaud donc dans ces contrées-là. Ça c'est bien sûr leur premier argument. Aussi parmi leurs arguments, le même verset que les premiers ont utilisé, que les adeptes du premier avis. Qui se rappelle du premier avis? Je vois un peu si vous êtes concentré. Non, c'est quoi le premier avis? Non, le premier avis, qu'est-ce qu'il dit? C'est pur ou c'est impur? Impur. Le premier avis, rappelez-vous bien mes chers frères et sœurs, le premier avis dit que le vin est impur, najis. Voyez-vous? Alors que le deuxième avis, quant à lui, il dit que le vin est pur. Et on a vu le premier argument, qui est le fait que les compagnons ont versé du vin dans les rues de Médine pour s'en débarrasser après la descente des versets qui interdisent formellement le vin, et l'ont fait avec l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Car si maintenant c'était impur, le prophète leur a dit, ne le versez pas dans les rues, essayez de le verser ailleurs. Donc on voit ici qu'ils l'ont versé donc, et on a vu bien sûr quelle est la réponse par rapport donc à cet argument. Aussi également donc je disais que parmi leurs arguments, le verset, le même verset que les gens du premier avion utilisés. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, le verset qui stipule l'interdiction. Je rappelle le verset de nouveau. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, innamal khamr wal maysir wal ansar wal azlam rijsun min amal ash-shaytan. Certes, le vin, les jeux du hasard, ces stèles pour lesquelles on sacrifie les bêtes, ainsi que ces flèches avec lesquelles vous essayez de déterminer votre sort ou destin, tout ceci sont des choses répugnantes, min amal ash-shaytan. Et ça fait partie des actions de Satan. Ça c'est le verset. Ils se sont appuyés sur le même verset. Mais comment ont-ils compris? Ils ont dit voilà, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset de rites répugnants, il dit ça ne veut pas dire que c'est impur. Comment ça veut dire que c'est impur? Ils disent la preuve c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait accompagner le vin par quoi? Il a fait accompagner le vin par le jeu du hasard. Le jeu du hasard c'est de l'argent, c'est pas quelque chose d'impur. Il a fait accompagner également, donc le vin, par le jeu du hasard, et aussi par ses stèles, donc ces sortes de poutres pour lesquelles les gens sacrifient des bêtes. Les poutres sont pures, il n'y a pas de problème. Et ainsi que ces flèches. Alors il dit, ça c'est une preuve, comme quoi ici, il ne s'agit pas de l'impureté au sens propre du terme, mais au sens figuré. Najasa ma'nawiya. Voyez-vous, najasa ma'nawiya. Et ils appuient cela par un verset. Ils appuient cela par un verset qui se trouve dans la sourate de pèlerinage. Dans la sourate, le pèlerinage, verset 30, où notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dit « Fajtanibu al-rijsa min al-awthan » Écartez-vous de ces choses répugnantes que constituent les statues. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire que les statues sont impures? Les statues ne sont pas des choses impures au sens propre, au sens figuré seulement, voyez-vous? Ça c'est un argument qui normalement tient la route, mais en réalité, il ne tient pas la route. Il ne tient pas la route, et là j'ai pas envie de rentrer dans la règle du droit, donc qaid osoli, sinon vous allez vous perdre. Mais en tout cas, retenez que ça c'est l'un de leurs arguments. Ils disent non, le mot rits ici, le mot répugnant dans ce verset, ne veut pas dire par là, n'est pas le synonyme d'impureté au sens propre, mais veut dire impureté au sens figuré. La preuve c'est que le vin est accompagné par des choses qui sont pures, d'un point de vue, physique, matériel, telles que les statues, telles que ces flèches et telles que le jeu du hasard. Bien sûr, et également ils ont un autre argument aussi en plus. Ils disent le fait qu'une chose est interdite n'implique pas nécessairement qu'elle soit impure. Ce n'est pas parce que le vin est interdit que automatiquement il est impur. Ça c'est leur avis. Ils disent c'est comme l'or, al-dhahab pour les hommes. Al-dhahab, l'or pour les hommes. L'or est permis pour les hommes? Vous êtes sûr? Ça va, d'accord, c'est bien. Je n'ai pas qu'un fou me douer. Il y a un avis, hein, c'est khilaf. Il n'y a pas de khilaf ici, il n'y a pas de controverse. Donc, c'est la même règle, c'est général. Sauf s'il y a une infime quantité, il n'y a pas moyen de faire autrement, parce que c'est une exception à la règle. Mais sinon, normalement, l'or est interdit, donc en tout état. Voyez-vous? Donc, l'or est interdit pour les hommes. Mais est-ce que les questions à la fin du cours, Inch'Allah, à la fin du cours, l'or est interdit pour les hommes. Mais est-ce que cela veut dire pour autant que l'or est impur? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, l'or est pur. C'est vrai, c'est un argument aussi qui est discutable, qui peut tenir la route. Mais donc, à coup de hal, ce sont deux avis en réalité qui sont très très forts. Et jusqu'à nos jours, il y a des savants qui sont départagés donc de ces deux avis. Alors vous, bien sûr, vous et votre croyance, si pour vous, vous êtes convaincu que le vin est pur, eh bien, alhamdoulilah, vous avez des références qui l'ont dit comme tel. Et si vous êtes par contre convaincu que le vin est impur, vous avez aussi des références parmi les gens de science, à l'ulil, qui disent que le vin, bien sûr, est impur. Ça, c'est au niveau, bien sûr, du vin même. Donc, de son caractère pur ou impur. Alors maintenant, on passe à un point souvent très très discuté. C'est l'alcool et son entrée dans des produits, dans certains produits, voyez-vous. Donc, dans des produits cosmétiques, ce qui est de beauté ou parfum, etc. Ou encore dans des produits alimentaires, qu'est-ce qu'il en est? D'abord, il faut savoir l'origine, l'asl. L'origine, c'est que l'interdiction, on dit, illatu tahrim al-khamr al-iskar. La raison pour laquelle le vin a été interdit, c'est parce qu'il enivre, il rend ivre. Voilà la raison pour laquelle. Ça,
C'est la raison juridique principale. Voyez-vous? Donc l'origine dans le vin, dans l'alcool, à partir du moment où il rend une personne ivre ou conduit vers l'ivresse, il est interdit. C'est indiscutable. Très bien. Alors que fait-on lorsqu'on entend qu'il y a de l'alcool dans notre colonne, dans les parfums, ainsi que dans les produits médicaux, bien des désinfectants, ou encore ce qu'on appelle donc le vinaigre en soi, et qui va venir avec nous, Inch'Allah. Alors bien sûr ici, je ne suis pas spécialiste en la matière, s'il vous plaît, mais enfin, je me réfère aux gens bien sûr compétents dans cette matière, qui sont bien sûr les ingénieurs ou les chimistes, ou les biochimistes, qui nous divisent bien sûr l'alcool en plusieurs catégories. Ils disent que l'alcool se divise en d'innombrables catégories. Il y a ce qu'on appelle l'éthanol, l'éthanol avec L apostrophe bien sûr, l'éthanol. L'éthanol, si vous le buvez à l'état pur, il rend ivre directement, sans aucun doute. Vous perdez la raison sans aucune controverse. Consensus. Bil-ijma', voyez-vous? Et c'est cette matière-là qui est utilisée dans les distilleries pour fabriquer donc la bière et le vin, etc. Les champagnes, tout ce qui s'ensuit. Voyez-vous? Celui-là, il est interdit, il n'y a aucune controverse à son sujet. Très bien. Vous avez un autre type de vin qui s'appelle le méthanol. Le méthanol, ainsi que le propanol, et aussi le butanol. Voyez-vous, méthanol, propanol, butanol, et il y en a d'autres, bien sûr. Le méthanol et propanol et butanol, si vous les buvez, mes chers frères et sœurs, je le répète, ce n'est pas l'ivresse que vous aurez, mais tout simplement, c'est la mort. C'est pas la raison qui s'en va, mais c'est l'âme qui vous quitte. Voyez-vous? Donc ce n'est pas la raison qui s'en va, mais c'est l'âme, ruh, qui vous quitte une fois pour toutes. Donc c'est une matière donc très très dangereuse et qui en général est utilisée dans des produits de désinfectants, des produits médicaux, donc tout ce qui est soins donc pour les malades, etc. et les blessures. Ça c'est donc mortel. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans les parfums, sur base de concertation et de consultation avec des gens compétents en la matière, ils disent, ils sont pratiquement d'accord là-dessus, au niveau parfum, déodorant, etc., qu'ils utilisent ce qu'ils appellent des acides ou des alcools aromatiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce sont des types d'alcool qui ont une odeur. Ce sont des dérivés chimiques. Car vous savez que l'alcool en général, c'est un composé de O et H. Et vous, que veut dire O et H? Oxygène et hydrogène. Oxygène et hydrogène. Voyez-vous? En général, c'est une composition chimique. Ils font, avec l'alcool maintenant, ils font plein de dérivés. Ils arrivent à fabriquer pas mal de sortes de types donc d'alcool. Alors d'après ces spécialistes, ils disent que l'alcool utilisé dans les parfums n'a rien à voir, absolument rien à voir avec ce qu'on appelle l'éthanol, ce qui rend ivre. Ça n'a rien à voir. C'est un dérivé, c'est une sorte de synthèse, c'est une combinaison de plusieurs types d'alcool, mais qui n'a rien à voir. Et au contraire, on ne peut pas le boire parce que c'est dangereux aussi. Donc il ne faut pas ouvrir la bouteille de parfum ou bien de déodorant, de tiens, je vais essayer, je vais voir si ça rend ivre ou non. Parce que là, je crois qu'on va venir chercher rapidement à ce moment-là pour rester 15 jours à l'hôpital. Si, bien sûr, tu arrives à t'en sortir vivant, bien entendu. Voyez-vous? Quant à l'eau de cologne, là, c'est beaucoup plus complexe. Parce que il y a des types d'eau de cologne où on utilise l'éthanol. On appelle ça l'éthanol de synthèse. L'éthanol de synthèse. C'est-à-dire, l'éthanol qui est utilisé dans les distilleries pour les boissons alcoolisées, et qu'on mélange aussi avec un autre. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre la fatwa émise par la commission permanente des fatwas, donc en Arabie, donc le Lejna Daim al Fatwa, donc en Arabie Saoudite, lorsqu'ils ont été interrogés au niveau de l'eau de cologne. Ils ont dit, si maintenant cela ne conduit pas à l'ivresse, il n'y a pas de problème. Mais si ça conduit à l'ivresse, c'est interdit. Voyez-vous? Donc en fait, on comprend par cette réponse qu'ils ont donnée, c'est que bien sûr, il y a plusieurs types d'eau de cologne. Il y a des types d'eau de cologne qui sont, comment dire, à base, entre autres bien sûr, à base de ce qu'on appelle l'éthanol de synthèse, c'est-à-dire l'éthanol qui utilise cet alcool utilisé dans les boissons alcoolisées, mélangé avec un autre alcool, et ça peut conduire bien sûr à l'ivresse. Et bien sûr, d'autres cas d'eau de cologne où il y a d'autres types d'alcool, mais le problème, c'est que quelquefois, c'est pas précisé. Quelquefois, c'est marqué alcool tout court. Alors, vous allez me dire quelle est la position, surtout dans l'eau de cologne. Le mieux pour ta religion et ta foi, chers frères et sœurs, c'est de l'éviter. C'est le meilleur, voyez-vous. Quant au parfum et déodorant, dans la majorité écrasante des cas, ça n'a rien à voir avec l'éthanol. Ce sont des dérivés d'alcool qui ne rendent pas ivre.
voyez-vous, qui sont même dangereux pour la santé, le fait de le boire. Mais bien sûr, il y a des gens encore contemporains qui disent qu'ils préfèrent s'abstenir, malgré tout, en disant il y a un petit risque à ce niveau-là. À la coulée hal, c'est lui qui se dit moi je l'utilise quand même, vu que je ne vois pas vraiment le problème, si on sait que ce n'est pas l'éthanol qui est utilisé, eh bien je l'utilise quand même, il n'a pas tort. Et celui qui dit j'ai toujours peur que ces gens-là, peut-être ils ont une sorte de synthèse ou combinaison avec cette suite de choses qu'il veut éviter, bien sûr à ce moment-là il ne faut pas lui faire de reproches. Il veut tout simplement être beaucoup plus intègre au niveau de sa foi et de sa religion. Mais on ne peut pas pour autant interdire la chose en soi. Voyez-vous ? Très bien. Bon, les matières, les produits désinfectants et médicaux, ça c'est connu, ça c'est clair. En général, ils mettent une tête de mort, vous avez compris pourquoi. Hein ? Donc, ça ne va pas vous faire un dessin, vous avez compris de quoi il s'agit. Quant au vin, le vin à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'on connaît de certains hadiths, c'est que le vin à son origine, le vinaigre à son origine, c'est le vin qui s'est fermenté et s'est transformé en vinaigre. C'était comme ça à l'origine. Voyez-vous? Et bien sûr, on a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam vante le mérite du vinaigre. Hadith Aisha, rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ni'm al-idam al-khal. Donc, ô combien est bonne cette sorte de sauce ou de ce qui accompagne un plat, un repas, donc al-khal. Et bien sûr, la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, c'est qu'il est entré auprès d'Aisha en lui disant avez-vous un repas ici à la maison? Elle dit non. Elle dit on n'a que de ce qu'on appelle des galettes de pain, donc des galettes de pain sec et un peu de vinaigre. Et c'est là que le prophète a dit cette parole ni'm al-idam al-khal, donc ô combien est bonne, donc où est bon bien sûr donc ce vinaigre, et avec un compagnon, donc ils ont mangé ensemble donc ces galettes de pain sec en les trempant donc dans du vinaigre. Aujourd'hui, le vinaigre d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Le vinaigre d'aujourd'hui, vous avez le vinaigre classique, celui-ci où l'ilm indallah, il n'y a pas de problème. Cependant, lorsque vous voyez un vinaigre qui s'appelle vinaigre de vin ou vinaigre avec composant d'alcool, ça il faut éviter. Voyez-vous, ça il convient d'éviter. Mais le vinaigre tout court, eh bien sachez que actuellement aujourd'hui, il y a beaucoup de procédés industriels qui font en sorte que le vin n'est plus la source principale de la fabrication du vinaigre. Ils sont capables de le fabriquer avec beaucoup d'autres produits. Donc le vinaigre, lorsque vous achetez votre vinaigre, si vous voyez vinaigre tout court, vous le prenez, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voyez vinaigre de vin, ou encore vinaigre et 0,2 je sais combien d'alcool, écartez-vous-en, c'est bien meilleur pour votre foi. Ça c'est le résumé par rapport au vinaigre. Très bien. Ceci nous pousse à parler du point suivant. Le point suivant concerne le fait de mélanger du vin avec un produit pharmaceutique. Par exemple, vous avez un chimiste ou un expert en tout ce qui est donc pharmaceutique, qui bien sûr décide de fabriquer un médicament. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mélange un peu de vin avec ce médicament. Ici, les gens de science, ils disent que si le pourcentage de vin est mis, il y a deux critères pour accepter ça. Le premier critère pour accepter que ce vin fasse partie de ce composant du médicament, le premier critère, c'est qu'il n'y a pas moyen de le remplacer. C'est que ce spécialiste dit, on ne sait pas le remplacer. On est obligé de mettre ça. Il n'y a pas un autre composant. C'est ça ou rien. Et le deuxième critère, c'est que le pourcentage de vin qu'on rajoute dans ce produit, il faut qu'il soit le plus minime possible. Voyez-vous? Comme ça, la personne qui va boire le médicament, elle ne va pas devenir ivre, donc lorsqu'il a fini le flacon. Ça, c'est une chose. Ceci nous pousse à nous parler d'un autre point. Pouvons-nous utiliser le vin, al-khamr, comme remède? Comme moyen de guérison, at-tadawu bil-khamr. Parce que vous devez savoir que les Arabes du Jahiliya, à l'époque de le Jahiliya, ils pensaient que le vin était un moyen de guérison efficace. Et j'ai cité ça dans le cours la semaine dernière, il y a quelques semaines, j'ai parlé de ça. Quelquefois, même aujourd'hui jusqu'à nos jours, lorsque quelqu'un est pris par une sorte de crise cardiaque, par exemple, surtout chez les koufas, les mécréants, il est pris par une crise cardiaque, il a des sortes de suffoquements, il va étouffer. Qu'est-ce qu'ils font? Quelquefois, au lieu de lui donner de l'eau, il lui donne du whisky. Voyez-vous? Il donne du whisky ou bien du champagne pour qu'il boive donc un bon verre. Comme ça, donc, il va un peu se libérer et il pense comme ça, donc, ce cœur qui bat trop vite et qui va lâcher, il va se calmer. Et, comme si le vin avait un effet positif à cette personne qui est malade, qui est souffrante. Donc, on voit que c'est une pratique très très ancienne à la Jahiliya et qui existe encore de nos jours.
Donc les gens, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais en tout cas, c'est une chose connue, que quelquefois des mécréants font ça, en disant, tiens, on voit la personne en train de entre guillemets, d'agoniser, ou alors elle va étouffer, au lieu de lui donner de l'eau ou de faire je ne sais quoi, il apporte directement un bon petit verre de whisky, hein, ou des champagnes, pour faire passer vite ça, pour vite faire passer justement cette gorgée, et ramener la sérénité, donc dans l'esprit, ont-ils prétendu. Ici aussi, nous avons deux avis. Nous avons aussi deux avis chez nos savants quant au caractère licite ou illicite de l'utilisation du vin comme moyen de remède. Très bien. Nous avons le premier avis, qui est la permission d'utiliser le vin comme moyen de remède. C'est l'avis de, ou c'est l'un des avis de certains savants de l'école Shafi'ite et également, bien sûr, de certains de l'école Hanafite, et on attribue ça à un savant dénommé Ibn Shihab. Ibn Shihab. Alors, quels sont leurs arguments, ou parmi leurs arguments? Le premier argument, ou parmi les arguments qu'ils ont avancés pour permettre l'utilisation du vin, al-khamr, comme moyen de guérison, ils se sont appuyés sur le récit dans Sahih al-Bukhari Muslim de cette délégation qu'on appelle al-Urayniyoun. Al-Urayniyoun, ça appartient, ce sont des gens qui appartiennent à une tribu, Urayna, qui sont venus à Médine, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus à Médine, ils sont tombés malades. Donc le climat de Médine, donc, ne leur allait pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou plutôt, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a recommandé de faire? Il leur a dit, buvez de l'urine de chamel, et vous verrez que ce sera donc urine et lait de chamel, ce serait une guérison pour vous. Alors ils ont dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de boire l'urine de chamel. Et d'après eux, d'après ces savants-là, ils disent, l'urine de chamel est impure. Voyez-vous? Donc si c'est permis de boire une chose impure pour se guérir, donc il en est de même pour le vin. Le vin aussi, on peut l'utiliser comme étant, c'est un produit impur, on peut l'utiliser pour donc se guérir. Ça c'est donc leur explication. Je ne vous cache pas, cette explication ne tient pas bon. Pourquoi? Parce que, comme le relate sur l'islam Ibn Taymiyyah dans le Fatawa, il relate que Salaf al-Saleh, il n'y a aucun parmi les Salaf al-Saleh qui a prétendu, donc il n'y a aucun parmi les savants des premières générations d'islam, les Salaf al-Saleh, qui a prétendu que l'urine d'une viande qu'on peut manger, ou d'une chair qu'on peut manger, comme le mouton, comme la vache, comme également le chameau ou la chamelle, il dit que Ibn Taymiyyah dit, il n'y a aucun de ces savants qui a prétendu que l'urine de ces bêtes-là, dont on peut manger leur chair, comme quoi il est impur. C'est le contraire. Au contraire. Donc l'urine d'un animal dont on peut consommer sa chair, comme le mouton, vache, taureau, etc., son urine est pure. Voyez-vous? Donc il dit, donc ici ils disent ça tombe à l'eau, leur argument. Vous utilisez, vous faites un sort de parallèle entre le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ordonner à ces gens, al-Urayniyoun, de boire de l'urine de chamel pour se guérir, et vous avez prétendu que cette urine est impure, et vous avez fait le parallèle avec le vin qui est impur en disant, voilà, le vin est impur, donc on peut le boire pour se guérir, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aura autorisé d'utiliser un liquide impur qui est l'urine de chamel pour se guérir. Mais on voit ici qu'en réalité, l'urine de chamel, d'après l'avis le plus plausible et le plus fort des savants, l'urine de chamel est pure et n'est pas impure. Donc cet argument ne tient pas là. Très bien. Ils ont aussi un autre argument. L'autre argument qu'ils ont aussi, ils disent que Allah Azza wa Jal a permis à la personne qui risque de mourir de faim ou de soif, lui a permis de consommer une bête morte, maïta, de manger de la viande de porc, le khinzir, ainsi que de consommer ou de boire du vin lorsqu'on risque de mourir, de périr par la faim, par la soif. Et lisons ce cas ici, si Allah subhanahu wa ta'ala a permis cela, si Allah azza wa jal a permis dans des cas d'extrême nécessité, d'extrême urgence, de pouvoir consommer ces choses-là qui sont interdites pour sauver sa vie, il en est de même pour le vin qui est interdit aussi comme remède, si on a peur que la personne meure, on utilise le vin comme remède. Donc ils ont fait aussi un parallèle entre les deux, qui est-ce? Mais en réalité, également ici, cet argument, mes chers frères et sœurs, ne tient pas la route. Pourquoi? Pour deux raisons. Je ne sais pas si vous avez compris le parallèle entre les deux. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala permet de manger la viande de porc, de manger une bête morte, ou la chair d'une bête morte,
ainsi que de consommer ou de boire du vin lorsque nous sommes sur le point de mourir de faim ou de soif. Parce que c'est une extrême nécessité. Darura mulji'a. Alors il dit, si c'est comme ça ici, eh bien le vin pour remédier à une maladie, il en est de même. Si on ne remédie pas à une maladie, on risque de mourir. Dans ce cas, on peut également utiliser le vin, tout comme il s'est permis ces choses-là, par peur de mourir de soif ou de faim, il en est de même concernant le vin pour le consommer, pour se guérir et pour éviter bien sûr de périr. Cependant ici, cette argumentation, mes chers frères et sœurs, ne tient pas la route, ne tient pas debout. Pour deux raisons. Premièrement, il est prouvé chez tous les scientifiques et tous les médecins que le vin, en réalité, provoque plus de méfaits médicaux que le contraire. Donc il ne va pas guérir, il va encore enfoncer encore plus la personne dans sa maladie, d'une part. Deuxièmement, qui prouve que par le vin on va guérir la personne? Qui le prouve? Et qui dit que la personne va mourir? Alors qu'il y avait des compagnons qui étaient malades, qui souffraient de certaines maladies, et qui refusaient de se faire soigner. Non pas parce que ils étaient fatalistes, loin de là, mais ils cherchaient la récompense dans la frontière, dans la patience. Voyez-vous? Attention bien sûr, mes chers frères et sœurs, cela n'exclut pas le fait d'avoir recours à la médecine, d'avoir recours aux médicaments pour se guérir. Mais cependant, des compagnons, ce qui est leur affaire personnelle à eux, ils ont dit, nous, on peut tenir le coup, on peut supporter nos douleurs, on préfère rester comme ça. Ils veulent gagner les hasanats, ils veulent se purifier de leurs péchés via donc ces douleurs et ces maladies donc ils subissent. Donc, ce sont ces deux réponses-là. Par ces deux réponses, on voit qu'en réalité, mes chers frères et sœurs, cet argument selon lequel donc le vin est un bon moyen ou est un moyen efficace de guérir, c'est pas vrai. Parce qu'au contraire, les médecins l'ont prouvé que c'est très mauvais pour la santé, pour la raison ainsi que pour le foie aussi et pour le sang, c'est très très mauvais. Et deuxièmement, bien sûr, rien ne prouve que la personne sera guérie par ce moyen-là. Rien ne prouve. Voilà. Ça c'est donc bien sûr leur argument à eux. Le deuxième avis, qui est celui de l'ensemble des gens de science, du Mour à l'Hélène. L'ensemble des savants disent qu'il est interdit, il est strictement interdit d'utiliser le vin comme moyen de guérison, comme remède. Parmi leurs arguments, le verset, le même verset que vous connaissez, donc dans Sourate Al-Maïda, la table servie, verset 90, où Allah subhanahu wa ta'ala précise que le vin est interdit, ainsi que les jeux du hasard, etc. Et qu'à la fin du verset, il dit, فَجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, écartez-vous-en totalement, vous ferez certainement partie de ceux qui sont des gagnants dans l'au-delà et dans ce bas monde. Donc, l'imam al-Qurtubi dit que ce verset indique à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit écartez-vous-en. On a vu là tout à l'heure que le mot écartez-vous-en est beaucoup plus fort que le mot je vous interdis. C'est vous? À partir du moment où Allah azza wa jal dit écartez-vous-en, cela veut dire ici, comme le dit l'imam al-Qurtubi dans son tafsir, il dit qu'il faut s'en écarter sur tout le plan. Déplacer la chose, l'utiliser comme remède, la conserver, bref, n'importe quelle façon d'utiliser le vin est strictement interdit. Ça c'est donc leur premier argument. Leur deuxième argument, parmi les arguments, bien sûr, je rappelle que ce cours est un abrégé du cours précédent, parmi leurs arguments, le hadith rapporté par Muslim, d'après le compagnon Tariq ibn Suwayd al-Jufi. Le compagnon Tariq ibn Suwayd al-Jufi. Ce compagnon, qu'est-ce qu'il dit? Il a interrogé le prophète sallam au sujet du vin. Le prophète lui a défendu de le garder ou d'utiliser. Et on dit même qu'il a déconseillé de le faire. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'a dit ce compagnon, donc Tariq ibn Suwayd al-Jufi? Il dit ensuite, innama asna'uha lid-dawa. Il dit, mais ya Rasulallah, je l'utilise comme un remède. Donc permets-moi de l'utiliser comme un remède. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète? Il lui a dit, innahu laysa bidawa wa innama da'a. Et ce n'est pas un remède, mais c'est une maladie. Le vin n'est pas un remède, mais une maladie. Donc on voit ici que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré donc ce compagnon a essayé, lorsque le prophète lui a dit de se débarrasser de ce vin, il a essayé d'obtenir une sorte de dérogation de la part du prophète pour l'utiliser comme remède. Il dit, je ne le bois pas, mais si quelqu'un est malade, eh bien, dans ce cas, je vais l'utiliser. Et bien sûr, la réponse du prophète, il dit, laysa bidawa wa innama huwa da'a. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un remède, mais le vin en soi est au contraire donc un fléau, un mal, donc une maladie. Donc on voit ici que le prophète sallam précise que c'est pas la peine de l'utiliser, ça sert à rien. Également parmi les arguments, le hadith authentique rapporté par Abu Daoud, où le prophète sallam dit
Inna Allah anzal ad-da' wad-dawa'. Allah a fait descendre la maladie et son remède. Ensuite le prophète dit fatada'u wa la tada'u bil haram. Alors ayez recours à ces remèdes et n'ayez pas recours à des remèdes qui sont interdits. Voyez-vous? Inna Allah anzal ad-da' wad-dawa'. Allah a fait descendre, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre donc la maladie et son remède. Fatada'u, ayez recours à ces remèdes. Wa la tada'u bil haram. Et n'ayez pas recours à des remèdes qui sont interdits. Et bien sûr, on sait que le vin est interdit en soi. Donc ceci, bien sûr, constitue les arguments donc, qui prouvent, bien entendu, et c'est l'avis, bien sûr, le plus fort dans la question, comme quoi, bien entendu, donc le vin ne peut être en aucun cas utilisé comme un moyen de remède. Très bien. Nous avons aussi parlé dans le cours des méfaits, bien sûr, et du fait que le vin, al-khamr, est un grand péché, kabir al-kabair. Et il faut savoir aussi, comme le rapporte le hadith, rapporté par, d'après Bukhari et Muslim, que le prophète sallam dit Man sharibaha fi dunya lam yashribaha fi l'akhira. Celui qui la boit dans ce bas monde ne pourra pas y avoir droit ou y avoir accès dans l'au-delà. Voyez-vous, d'une part. Également, il faut savoir que le vin, al-khamr, est appelé et surnommé par le prophète sallam même Ummul Khaba'ith. Donc la mère, l'origine de tous les maux, de tous les malheurs. Ummul Khaba'ith, donc la mère, l'origine de tous les maux. Très bien. Écoutons le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Dans un hadith rapporté par Tabrani, que Cheikh Al-Albani rahimahullah a rendu hassan dans son livre As-Silsila Sahiha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, d'après le compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète dit Al-Khamru Ummul Khaba'ith wa Akbaru Kaba'ir. Le vin est donc l'un des plus grands péchés. Voyez-vous? Est la mère de tous les malheurs, de toutes les turpitudes, et aussi l'un des plus grands péchés. Man sharibaha lam tuqbal minhu salatahu 40 yawman. Celui qui la boit, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Et là, de nouveau, j'ai bien précisé, mes chers frères et sœurs, que lorsqu'on dit prière pas acceptée pendant 40 jours, cela ne veut pas dire de ceux qui prend congé pendant 40 jours et qui ne prie pas. Hein? Ça ne veut pas dire que j'ai bu, donc c'est bon, j'ai congé pendant 40 jours, je ne prie pas. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pries pas? Bah, qu'est-ce que tu veux? J'ai bu. Donc, le prophète dit que c'est pas accepté. Donc, c'est pas parce que je prie. Donc, j'ai congé. Pendant 40 jours, je me repose. Donc, cool Raoul. Pas du tout. Et si ça veut dire que tu n'as aucune récompense pour ta prière, tu dois l'accomplir pour te libérer, ce qu'on appelle iskat zimma. Pour te libérer de ton devoir. Tu dois la faire. Mais tu n'as aucune récompense dessus. C'est ça que veut dire ce hadith. Voyez-vous? Très bien. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Tabrani aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, d'après le compagnon Ibn Abbas, il dit Al-Khamru Ummul Fawahish. Il dit le vin, c'est la mère, l'origine de toutes les turpitudes. Écoutez, encore plus grave. Man sharibaha waqa ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Celui qui boit le vin, il n'hésitera pas à commettre adultère avec sa mère, avec sa tante, donc maternelle, et sa tante paternelle. Et on connaît le récit dans Banu Israël que le prophète sallallahu alayhi wa sallam relate, donc le récit des tribus d'Israël, Banu Israël, où il y avait justement un homme connu donc pour sa piété, et que des gens ont essayé de corrompre. Ils lui ont dit, tu choisis entre trois choses, entre l'une des trois choses. La première chose, on t'offre ce verre de vin, tu le bois. Ou alors, tu dois commettre l'adultère avec cette femme, Zina. Ou encore, tu dois tuer cet enfant. Qatul Ghulam, qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme, cet adorateur Abid, il a cru choisir la solution la plus simple. Il a dit, Zina, jamais de la vie. Tu es un enfant, je peux pas. Je veux boire le vin. Et bien, lorsqu'il a bu le vin, il a perdu conscience, il a fait l'adultère avec cette femme et il a tué cet enfant. Voilà, c'est pour ça que le prophète appelle le vin, il appelle Ummul Fawahish, la mère, l'origine de tous les malheurs, de toutes les turpitudes. Et dans un autre hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise que celui qui boit et qui meurt dans cet état, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera boire yawm al-qiyama, ce qu'on appelle la usaratu ahlinnar, les résidus des gens de l'enfer. Ils vont lui faire boire tout ça. Usaratu ahlinnar, voyez-vous, donc les gens de l'enfer, ils vont fondre à cause du feu ardent. Donc, nar, lahiba, mushtaila. Avec ce feu ardent, ils vont fondre et ces résidus qui restent, celui qui boit dans ce bas monde et qui meurt dans cet état,
Yom al-Qiyamah, il sera dit, tiens, bois ça, c'est pour toi. C'est ta boisson. Comme ça, tu vas apprendre la prochaine fois ce que c'est enfreindre, donc, cette interdiction. Et bien sûr, vous savez que le vin, al-Khamr, est un fléau, malheureusement, dans notre communauté. C'est répandu. On entend tous les jours des jeunes, garçons et filles, parmi nos frères et sœurs, qui boivent. Alors, qu'est-ce qui les pousse à faire cela? C'est l'une des trois raisons. Il y en a peut-être plus. Mais c'est à titre d'exemple. La première raison, da'ful iman. La foi est faible. Voyez-vous? La foi est faible. Et da'ful iman wal firar min al mashakil. Donc une foi faible et une envie de fuir les problèmes. Donc cette personne croit que le fait de boire le vin, al-khamr, de se sentir en ivresse, elle va oublier ses problèmes. C'est faux. C'est complètement faux. Tu vas les oublier pendant un certain temps. Une journée, une demi-journée, deux jours, trois jours. Et puis dès que cet effet s'estompe, tu retombes de nouveau et tu reviens de nouveau, à nouveau, dans donc ton vice. Et en général, le vin, le prophète a tout à fait raison, al-khamru ummul fawahish, ummul khaba'ith, le vin est l'origine et la mère de toutes les turpitudes, de tous les malheurs, effectivement. Car vous savez que beaucoup de gens qui boivent, eh bien, ils ne s'arrêtent pas là, ils vont plus loin. Après, ils passent à l'adultère. Après ça, ils se mettent donc à l'adultère, également il s'adonne à la drogue aussi, et puis c'est un cercle infernal et il n'arrive plus à s'en sortir. Voyez-vous, ça c'est la première raison. La deuxième raison, je précise ici bien sûr mes chers frères et sœurs que je cite ici les principales raisons, il y en a beaucoup d'autres. La deuxième raison, c'est ce qu'on appelle en arabe tawarouth a'aili, c'est un héritage familial. Il est triste de voir que dans des familles soi-disant musulmanes ou d'origine musulmane, eh bien, le fait de boire le vin, c'est quelque chose de normal. Le père boit, alors l'enfant, le fils ou la fille, lorsqu'il voit son père ou sa mère boire, il dit, ben moi aussi je vais boire. Parce que les parents, normalement, doivent être des modèles pour leurs enfants. Alors si eux, ils les voient comme tels, eh bien, ils font la même chose. Sans parler de la violence intrafamiliale. La violence intrafamiliale, la violence qui se développe à l'intérieur des foyers et des maisons à cause du vin, ça, comme on dit, hadith ou la haraj. Parlons-en sans limite. Donc, ça devient une habitude dans le sang. Il a vu ses parents, grands-parents, certains de ses frères, il fait la même chose. La troisième raison, la mauvaise fréquentation. Non. Et c'est pratiquement la cause la plus répandue. La mauvaise fréquentation. Donc, il traîne avec deux, trois gars qui aujourd'hui, il invite au café à boire un jus d'orange. Demain, c'est un genie. Après-demain, c'est peut-être une bière sans alcool. Et après-demain, allez, premier verre. Hein? Un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts. Voyez-vous? Un verre ça passe, deux verres ça casse. Donc c'est comme ça qu'il commence. Donc ces gens vicieux, de turpitude, ils savent comment entraîner petit à petit. Ils vont pas le premier jour lui dire, tiens, bois. Pas le premier jour. Et vous pouvez demander à tous ces jeunes qui sont passés par le vin et qui se sont repentis, qui étaient donc plongés dans l'alcool avant à cause de la fréquentation, vous pouvez leur demander comment ils ont commencé. Eh bien, beaucoup d'entre eux vont leur dire, non, j'ai pas commencé par un premier verre. J'ai commencé par boire un jus d'orange, un verre d'eau, coca, Pepsi, Fanta, etc. Et puis petit à petit, il prend l'habitude d'avoir des verres de bière devant lui, martini et... Parce qu'on n'a pas les noms par cœur, enfin c'est important. Donc, pas mal de marques qui sont devant lui déposées sur la table, sur la table. Et il oublie que le prophète, sur la salle, met en garde en disant, « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yajlisanna ala ma'idatin yudaru ala al-khamr. » Celui qui croit en Allah et en le jour du jugement dernier, qui ne s'assied pas à une table sur laquelle circulent des bouteilles de vin. Voyez-vous, on ne peut pas. Alors petit à petit, ça entre dans les mœurs. Et puis ce jeune, demain, petit à petit, il monte, et puis on le tente pour un premier verre. Tiens, bois, ça fait pas de mal, tiens, prends un premier verre. C'est un cocktail seulement, c'est pas le tapis. Juste un cocktail. La bismillah, prend son premier verre, ça se passe la bismillah, c'est pas le moment. Donc il commence son premier verre, au début c'est un verre, le verre il n'est pas rempli entièrement, juste le quart, hein, ou la moitié. Donc une première gorgée. Et petit à petit, Shaitan le trompe en lui disant, tu vois, c'est bon, c'est très bon. Voyez-vous? Et puis petit à petit, il prend l'habitude, et ça, après cela, c'est dans son sang. Et c'est pour cela qu'il y a des centres
de désintoxication. Il y a des centres de, parce que quand ça attaque le sang, il faut beaucoup de temps pour filtrer le sang. Parce que le sang, il commence à demander ça. C'est une matière qui demande. Et je ne vous cache pas comment ça bousille le foie. Le vin détruit le foie d'une façon impressionnante. Voyez-vous? Et c'est aussi l'une des raisons du cancer de foie. L'une des raisons, je dis bien. Attention, hein, pas demain, vous voyez un frère qui est mort, qui a un cancer de foie. Je vais dire, qu'est-ce que tu faisais? Toi, tu buvais, quoi. Faut pas aller vite l'accuser, hein, donc il n'a rien fait. Mais cependant, vous précisez que ce sont ces trois raisons, ces trois principales raisons qui poussent justement la personne à boire. Alors maintenant, que faut-il faire par rapport à ces gens? Devons les laisser dans cet état? Devons nous faire comme faisaient certains compagnons et que le prophète leur dit ne dit pas ça? Lorsque ce compagnon qui s'appelait Himar, radiallahu arba, il avait un vice, il buvait. On l'a amené la première fois chez le prophète, on l'a fouetté. On l'a ramené une deuxième fois, on l'a fouetté. Une troisième fois, on l'a fouetté. Une quatrième fois, on l'a fouetté. La quatrième fois, certains compagnons qui étaient présents ont dit, la'anahullah, ma akthara ma yu'ta inda rasulallah sallam. Qu'Allah nous maudisse. Au combien de fois, on l'a amené chez le prophète. Et le prophète les a regardés en disant, la tal'anou. Ne le maudissez pas. فإنه يحب الله ورسوله car il aime Allah et son messager. Que voulez-vous lui faire? Il a un vice. Donc, au lieu de porter un jugement, comme font beaucoup de gens maintenant, sur ces jeunes qui boivent, au lieu de porter un jugement, de dresser les flèches de l'anathème les concernant, en disant, regarde, c'est égaré, c'est perdu, non. Au contraire, il faut essayer de gagner leur confiance. Essayer de les ramener à l'auberge. Voyez-vous? Alors, dans le premier cas, qui est bien sûr le fait de penser que c'est une façon de fuir ces problèmes, il faut bien sûr entamer la discussion, le dialogue, le hiwar avec ces jeunes. Une discussion avec ces jeunes afin de leur faire comprendre que, en fait, ces jeunes qui pensent oublier leurs problèmes dans le vin, dans le khamr, il faut leur rappeler qu'ils ont un problème de foi. Azmat iman, ils ont une crise de foi. Parce que le croyant qui a l'iman, d'abord il faut savoir que l'épreuve, l'ibtila, c'est une loi d'Allah sur terre, pour tous les êtres humains. Croyons ou non. Mais chez les croyants, elle a encore un meilleur sens. Le premier verset, dans Surat, l'araignée, l'Ankabout, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces deux versets, je vais les citer pour vous montrer que la foi, mes chers frères et sœurs, la foi ne s'acquiert pas gratuitement. La foi, c'est un prix. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala doit te tester, voir où tu es exactement dans ta foi. Qui es-tu? Parce que quand tout va bien, tout coule, douce, comme on dit, tout coule rose. Parce qu'il n'y a pas de problème. La fois, on va à la mosquée, on rentre à la maison, ceci, cela, on voit les frères, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es frappé par un problème, ou par une épreuve, il t'est là, comment tu vas réagir? C'est là le vrai test, c'est là que tu vas entendre, donc le thermomètre, comment il va avancer. Est-ce que la température va monter? Tu vas renforcer ta foi, alors il va chuter. Donc, en chute libre. Dans ce premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alif lam mim, ahatib al-nas, an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lamim, les gens croient-ils que nous allons les laisser dire, nous avons cru, sans qu'on les mette à l'épreuve? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Certes, nous avons, c'est pas nouveau ça pour eux, nous avons éprouvé ceux qui étaient avant eux, les communautés précédentes. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Afin qu'Allah fasse connaître ceux qui sont, qu'ils prennent connaissance de ceux qui sont sincères dans leur appartenance à la foi et ceux qui mentent. Parce que la foi, comme disaient certains savants, ils disent, Al-Iman, laysa bitamanni wa la tahalli. Bel al-Iman, ma waqara fil qalb wa saddaqa wa l'amal. Dit la foi, ce n'est pas par des prétentions et des belles phrases qu'on orne. Mais la foi, ma waqara fil qalb, c'est ce qui s'est installé dans le cœur, qui s'est établi solidement dans le cœur, wa saddaqa wa l'amal. Et qui était vérifié, la véracité de cette foi qu'elle a dans ton cœur, c'est vérifié dans tes actions, dans tes réactions aussi, dans le moment d'épreuve. Donc il faut faire comprendre à ces frères et sœurs qui sont frappés par ce problème de consommation de boissons alcooliques pour fuir leurs problèmes, leur faire comprendre que la vie elle est comme ça, c'est des épreuves. Mais qu'au contraire le croyant doit être fort par lui-même, ensuite avec ses frères. Et que la récompense, inna aizam al jaza ma aizam al bala. La récompense est toujours plus grande, elle ne fait qu'augmenter, au plus que l'épreuve est forte, au plus que la récompense augmente. Bien sûr, attention, il ne faut pas souhaiter l'épreuve. Hein? Et ne pas faire comme certains jeunes comprennent au travers la notion d'épreuve. Je vais vous donner un exemple.
il y a un jeune qui s'est emprisonné pour drogue. Vous savez ce qu'il ose dire? Il ose dire, mais que voulez-vous? Allah m'a éprouvé. Voyez-vous? Dieu m'a éprouvé. Donc je suis en prison, je dois patienter et je serai récompensé. Quelle récompense y aura-t-on? Tu vends de la drogue, tu perturbes l'ordre public et tu commets des dégâts. Et tu commets des interdits, tous prétendre, quand on est en prison, tu dis, ouais, qu'est-ce que tu veux? Maktoub, je devais me retrouver là. Donc Allah me veut du bien. Comment c'est qu'il veut du bien? Et c'est là que, mashallah, la science par infusion, donc débarque et déborde sur lui. Alors il te sort en disant, ouais, mais le prophète, ça c'est le m'a dit, comme quoi, les gens qui subissent le plus les épreuves, ce sont les prophètes, ensuite les gens pieux, ensuite ceux qui le ressemblent progressivement. Donc il dit, moi je suis quelqu'un de pieux peut-être, soit je suis en prison, donc je mérite. Ça c'est n'importe quoi. Croyez-moi, c'est n'importe quoi. Et bien sûr, donc ça ne tient pas de bon. C'est une punition et il a intérêt à se repentir. Il a intérêt à faire tauba avant qu'Allah lui donne une raclée encore bien plus forte que celle-là. Voyez-vous? Donc cherchez des excuses. Cherchez des excuses dans les textes en disant, non, c'est Moktoub, je suis en prison, c'est Ibtila, Alhamdulillah, Sobro. Comment ça, Alhamdulillah? Tu dois dire, A'oudou Billah, Alhamdulillah. Tu dois dire, A'oudou Billah, je demande protection auprès d'Allah pour cet état dans lequel je suis. Et pas le remercier. Tu remercies pourquoi? Pour un péché, le turpide dans lequel tu es. Donc malheureusement, Shaitan, Satan, il a des méthodes, hein, assez subtiles pour nous tromper. Voyez-vous? Donc ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie et la troisième ressemblent énormément. Donc la deuxième catégorie, c'est qui la deuxième catégorie? La deuxième cause, l'alcool. Un héritage familial. Donc, dans sa famille, le père boit, ou la mère boit, ou le grand frère, ou la grande sœur. Alors lui, il suit les mêmes pas. Il suit les mêmes pas, il suit leurs traces. Et il fait la même chose qu'eux. Alors ceux qui ont cette cause-là, et la cause suivante, qui est celle de celui et celle qui fréquente de très mauvaises personnes, ces gens-là ont besoin qu'on leur crée un cadre fraternel. Et croyez-moi, mes chers frères et sœurs, nous sommes très négligents de ce côté-là. Au niveau de da'wah, nous sommes très négligents. Très très négligents. Parce que malheureusement, nos centres maintenant ne traitent qu'avec des gens en bonne santé. Voyez-vous? Les visages qui viennent dans ces centres sont des visages de frères qui, alhamdulillah, ont un certain niveau de pratique. Alhamdulillah, ils sont dans la foi, ils avancent. Chacun son petit cheminement personnel. Mais où sont ceux qui sont sous les malheurs? Où sont-ils? L'aura-t-on prêté attention? Malheureusement, non. Alors nous avons besoin, si nous connaissons dans notre entourage des gens qui sont frappés par ce fléau, il ne faut pas les juger, mes chers frères et sœurs. Non, on juge le geste, c'est un grave péché. Mais on ne juge pas la personne, parce qu'on ne connaît pas son contexte, pourquoi elle est tombée là-dedans. La personne est faible, et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans le surat al-Nisa, il dit « وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا » L'être humain a été créé faible. Shaitan peut l'arnaquer facilement, l'attirer, le glisser progressivement vers donc le péché et donc la turpitude. Donc il est important ici, mes chers frères et sœurs, d'essayer de gagner la confiance de ces gens, parce qu'ils sont méfiants. Et il y a beaucoup de récits de frères et sœurs qui se sont occupés de jeunes donc alcooliques, en quelque sorte, et ils remarquent qu'ils fuient, ils ne sont virent vers vous. Parce qu'ils ont toujours peur d'être jugés, on ne doit pas les juger. Viens d'abord, on gagne sa confiance, et puis petit à petit, progressivement, on lui transmet chaque fois une petite gorgée de foi, Zura'atun min Zura'atun Iman, et inshallah, bi'idnillah, il y aurait moyen de les sortir progressivement de cet état. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Donc ceci, ce cours, bien sûr, était un résumé, donc, et un abrégé du cours